Bonjour à tous, Simulavie à votre service. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction substituer. Elle est très utile. Voyons un exemple. J'ai cette phrase-là, Excel est un logiciel des packs Microsoft Office. Faux, parce que Excel, vous le voyez, il est écrit avec S. Alors, il s'agit de Excel, E-X-C-E-L, non Excel. Donc, pour résoudre cette erreur-là, il suffit d'écrire égal substitut avec OLF1, puis je fais CTRL A pour avoir les arguments. Voilà, pour avoir les arguments de cette fonction. Le texte, c'est la cellule qui contient le texte, donc je prends ça, CB4, l'ancien texte. Autrement dit, les textes que nous voulons substituer. Donc, Excel. E-X-S-E-L. Voilà l'erreur. On va le corriger par nouveau texte. I-C-E-L. Voilà. Donc, nouveau texte, c'est le texte qui doit remplacer l'ancien texte. Et je fais Entrée. Donc cette phrase-là, elle a été copiée par cette phrase-là. Donc vous voyez, on a changé, on a corrigé, on a changé l'ancien texte avec un nouveau texte qui est juste. Donc ça c'est juste. Je le fais comme ça. Voilà, ça c'est OK. C'est juste. Donc on remarque une chose là. Quand j'ai saisi la fonction substitut, voilà cette formule-là, CTRL-C. Là, j'ai fait un apostrophe puis CTRL-V. Voilà la formule que j'ai utilisée ici. La formule que j'ai utilisée ici, ça donne. Voilà, je la coupe là. Pardon, j'annule. Donc voilà la solution. Je la fais comme ça. Puis, je mets police 1. Donc voilà l'erreur. Voilà l'erreur. Et voilà la solution. Excel, C-E-L, non S-E-L. Donc, quand on fait CTRL A, lorsqu'on saisit une formule de Excel, immédiatement, les arguments de la formule sont affichés. Donc, voilà YouTube, un lien vous rendre utile. C'est ma chaîne sur YouTube. Une fois une vidéo a été publiée, vous allez la recevoir immédiatement. Comme ça, vous n'allez pas manquer aucune vidéo. Donc, vous n'avez qu'à abonner à ma chaîne si vous le jugez utile. Merci beaucoup et bonne journée.